Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, je ne parle pas très fort puisque mon frère dort juste dans la chambre d'à côté. Donc, je ne veux pas le réveiller. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Juliette et Roméo de Yves-Marie Clément, publié chez Éditions Le Muscadier dans leur collection Restez vivants. Alors, ce livre se passe en 1916. On va avec Juliette qui va déménager. Elle va être mariée au meilleur ami de Roméo et elle est dans une famille assez aisée. Roméo, lui, est pauvre, il ne connaît pas Juliette dans le début de l'histoire, mais après il va la rencontrer dans un bal masqué et ils vont tomber fou amoureux. À partir de là, ça va commencer à partir en cacahuète, comme on dit. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que elle est bouleversante, pas bouleversante, mais elle est prenante. On sent bien les émotions des personnages, ça je trouve ça chouette. Je me suis plus attachée à Roméo parce qu'il fait des sacrifices, il ose faire des choses dangereuses pour Juliette. Du coup, j'ai plus aimé ce côté aventurier de Roméo. Aussi, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un personnage extérieur de l'histoire qui va nous parler. Donc là, c'est... Le vieux, c'est l'indien Savaillot, donc on retrouve quand même l'histoire qui va aider nos deux héros. Je vous en dis pas plus parce que c'est la fin, mais sinon j'ai beaucoup aimé. La couverture est assez chouette, ça ne m'a pas dérangé du tout qu'elle soit en noir et blanc. Je trouve que ça fait comme un côté un peu délicat, mais que Roméo et Juliette soient représentés, c'était vraiment assez sympathique et j'avais beaucoup aimé l'histoire, l'illustration. Ce que j'aime aussi, un autre détail, c'est que là, les lettres sont un peu genre embriquées, comment dire, elles sont poinçonnées sur le papier et ça je trouve ça assez joli. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, toutes les informations du livre seront en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour un nouveau livre.